Entrez, DB. Oh, j'ai là le bois mort. Très bien. Monsieur Connell, je n'ai vraiment pas les moyens de perdre mon travail, même pour la journée. J'ai encore une mère et deux sœurs cadettes à nourrir. D'autres télégrammes de félicitations. Enfin, vous savez ce que c'est. J'ai besoin de ce travail, vous comprenez? Navré, mais on m'a chargé de dégraisser le journal. Et votre colonne ne nous intéresse plus. Assez de potins, l'eau de rose. Monsieur? Envoyez-moi les suivants. J'ai une proposition. Je descends à 30 dollars la semaine. J'irai jusqu'à 25 ou 20 si c'est nécessaire. Je ferai tout ce que vous souhaiteriez. Il ne s'agit pas d'argent, mais d'augmenter le tirage. Il nous faut du sensationnel. Le public réclame du drame, de la bagarre. Oh, j'y arriverai. Je connais tous les recoins de cette ville. Oh, regardez-moi, je vous en prie. Entrez, entrez, entrez. Le caissier a votre chèque. Qui sont les suivants? Gibbs, Foley, Cunningham, Giles. Dites, ma petite, terminez votre dernière colonne avant de passer à la caisse. La colonne est trop courte, ajoute un paragraphe. Un milliardaire comme DB Norton s'offre un journal et on coupe 40 têtes. Tu prends aussi la peau? Oui. Toi aussi? Oh, Joe. Oh, je suis navrée, trésor. On devrait démolir cet immeuble. Ben, en attendant, Anne, tu ferais peut-être mieux de finir ta colonne. Oui, mes potins, l'eau de rose. Attends, Joe. Attends. Alors, il veut du sensationnel, hein? Allons-y. Tiens. Voici une lettre qui est arrivée ce matin sur mon bureau. C'est un commentaire sur ce que nous appelons encore le monde civilisé. Cher Miss Mitchell, voilà déjà près de 4 ans que j'ai perdu mon emploi et je n'en ai toujours pas retrouvé un depuis. Au début, j'en voulais aux autorités de cet État parce que c'est à cause de ces lamentables politiciens que nous subissons ce chômage de masse. Mais quand j'y réfléchis, je crois bien que c'est ce monde qui est pourri. Afin de protester, je vais donc me suicider en sautant du toit de notre mairie. Signé un citoyen américain dégoûté, John Doe. Note du rédacteur, si vous voulez connaître notre avis, ce ne sont pas les bonnes personnes qui sautent des toits. Hé, Anne, je suis sûr que c'est bidon, tout ça. Ne t'occupe pas de ça, Joe. Lance-le. C'est à cause de ces lamentables politiciens que nous subissons ce chômage de masse. Vous entendez? Voilà que DB Norton s'en prend à notre gouverneur. Voyons, Jim, ce n'est qu'une lettre adressée à un journal. Non, non, je sais très bien que ça vient de Norton. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Vous êtes très matinaux. Vous avez vu cet article dans le nouveau bulletin? Oui. Oui, on me l'a même servi au petit déjeuner ce matin. Jim pense que DB Norton est derrière. J'en suis certain. Non, je vous en prie, Jim, c'est insignifiant. DB Norton aurait fait ça en première page. C'est sa déclaration de guerre contre vous, croyez-moi sur parole. Pourquoi a-t-il acheté un journal et engagé un rédacteur en chef combatif comme Connell? C'est le roi du pétrole. Je vous le dis, gouverneur, il veut votre peau. Très bien, Jim, très bien. Calmez-vous, vous frôlez l'infarctus. Je vais me renseigner. Monsieur? Appelez-moi Spencer au Daily Chronicle, je vous prie. Oui, oui, j'ai vu ça, gouverneur. Et à mon avis, c'est une fausse lettre. Ce genre de canular ne date pas d'hier. D'accord, j'appelle le maire et même la chambre de commerce s'il le faut. Appelez-moi le maire de toute urgence. Navré, le maire est déjà au téléphone. Je suis d'accord, madame Brewster, c'est très dur pour l'image de notre ville. J'ai reçu plus d'une douzaine d'appels. C'est Spencer du Chronicle. Oui, je le prends. Je vous le passe. Oui, madame Brewster, oui, je vous écoute. Découvrez qui est ce John Doe sans perdre une minute et trouvez-lui du travail. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, au plus vite, j'appelle les œuvres de charité et j'appelle également les scouts. Nous tiendrons une réunion au sommet. Oui, Spencer. Qui? Le gouverneur? Mais n'oubliez pas que c'est de ma mairie qu'il veut sauter. Et je dois me faire réélire aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Appelez Connell au bulletin. Quoi? Mais ce type pourrait bien passer devant me dire... Appelez Connell. Qu'est-ce que c'est? Quoi? À la fenêtre. Qu'est-ce qui vient de passer? Ah, désolé, je n'ai rien. Mais restez pas planté là. Allez voir, idiot. Ouvrez la fenêtre. Mais pourquoi est-ce que ce type a choisi ma mairie? Mais il y a un attroupement, va? Non, monsieur. Il est peut-être sur une corniche. Regardez. C'était probablement un goéland. Un goéland? Qu'est-ce qu'un goéland vient faire à la mairie? Oh, ça, c'est un mauvais présage. Oh non, monsieur. Non, c'est un oiseau charmant.
Sous alerte, Madame Brewster, ce n'est qu'un goéland. Je veux dire qu'il ne s'est rien passé. Oh, je serai vigilant. Ne vous en faites pas, madame. Oui, 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 je vais m'en occuper. Spencer, je vous rappelle. Allô, Connell. Ici le... Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ici le maire. Oui, monsieur le maire. Combien de fois vous allez m'appeler? J'ai mis tout le monde sur l'affaire. Nous recherchons tous votre homme. Vous avez vu mon message? Un appel à John Doe. Changez d'avis, John. La vie peut être merveilleuse, dit le maire. S'il vous faut du travail, présentez-vous demain au bulletin, etc., etc. Bon, très bien. S'il y a du nouveau, je vous rappelle. Quoi? Vous n'avez qu'à fermer les volets. Patron, je reviens de chez Miss Mitchell, elle est très mal partie. Où est-elle? Vous saviez qu'elle s'occupait de sa mère et de ses deux sœurs? Qu'est-ce que vous dites de ça? Tu l'as trouvée? Non, et sa mère s'inquiète pour elle. Elle est sortie en disant qu'elle allait prendre une cuite. La fille, hein, pas la mère. Attends-y, trouve-la. D'accord. Hé, hey, mais je vous ai pas encore dit la meilleure. Son Allô? Père, c'est Doc Mitchell, celui qui a sauvé la vie de ma mère et qui voulait pas que je le paye. Vous vous souvenez de ça? Oh, d'accord, patron, je vais la retrouver. Bon sang, commissaire, je vous ai laissé 24 heures. Ah, je sais, Hawk. D'accord, je vais vous le répéter et tâcher de noter. Environ 1m70. Brun châtain. Les yeux marron clair. Et la plus jolie paire de jambes que j'ai jamais vue dans mon bureau. Vous souhaitiez me voir? Non, j'ai mis toute l'armée et la marine en alerte pour vous parce que j'adore faire des blagues le matin. Je me souviens que vous m'avez licencié. En effet. Mais vous détenez un document qui appartient à ce journal et vous devez me le remettre. Quoi donc? La lettre. Quelle lettre? La lettre de John Doe. Toute la ville est en émoi. Il faut le retrouver et cette lettre est notre seule piste. Je n'ai reçu aucune lettre. Nous allons convoquer un grand... Quoi? Aucune lettre. Répétez-moi ça. Non, j'ai tout inventé. Vous avez tout inventé. Eh bien, vous vouliez du sensationnel. Savez-vous que John Doe a déjà 9 propositions de travail, que 22 familles veulent l'héberger gratuitement, et que 5 femmes veulent épouser ce type, et que le maire est pratiquement prêt à l'adopter, et... Je viens d'appeler la morgue. Il y a une fille là-bas, et il semble... La ferme. Anne? Mais pourquoi est-ce... Fini. Je ne vois qu'une chose à faire, Hank. Laisse tomber tout ça au plus vite. Et comment ça? Publie un article, dit que John Doe est passé, qu'il regrette d'avoir écrit la lettre et... Bien sûr, je vois ça d'ici. Je l'ai vu et je lui ai fait changer d'avis. Le rédacteur en chef sauve la vie de John Doe. C'est parfait. Je vais dire à Ned de l'écrire. Ned, j'ai un article à te faire. Une petite minute. Écoutez-moi un peu pour une fois, ô grand génie de la presse populaire. Vous débarquez ici pour animer un journal moribond, non? La ville tout entière se demande qui est John, et boum, vous allez l'enterrer d'un coup de plume. Il nous garantit un tirage qui épuisera toutes nos réserves d'encre. Et de qui parlez-vous? John Doe. Mais quel John Doe? Notre John Doe, celui de ma fable. Vous, le génie, écoutez. Supposez qu'il y ait un John Doe et supposez qu'il entre ici. Vous feriez quoi? Vous lui donneriez du travail pour qu'il oublie tout ça, j'imagine. Pas moi. Je ferais un marché avec lui. Ah oui? Oui. Quand on tombe sur un scoop pareil, on ne s'en débarrasse pas comme d'une patate chaude. Cette histoire nous fera tenir 2 bons mois, je vois ça d'ici. Entre maintenant et disons Noël. Quand il sautera, j'en ferai une quotidienne. Son enfance malheureuse, ses études, son premier emploi. Un bel adolescent naïf face à un monde chaotique. Les problèmes de l'homme de la rue, de tous les John Doe du monde. Ensuite, et c'est là que ça devient un drame, il perd courage s'apercevant que le monde est fragile. Ses idéaux s'effondrent. Que fait-il alors? Il va se donner la mort en signe de protestation contre cette civilisation. Oh, il y a le fleuve, mais non, non, il a une meilleure idée. Ce sera l'hôtel de ville, parce qu'il veut attirer l'attention. C'est un poids dont il veut se libérer, et c'est le seul moyen qu'il ait pour se faire entendre. Et alors? Alors, il m'envoie une lettre, et je la fais imprimer. Il me dévoile ses joies et ses peines. On va mettre en titre à la une, je proteste par John Doe. Il protestera contre tous les fléaux du monde. Cupidité, luxure, haine, peur, l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Et des débats vont être. Est-ce qu'il devrait se suicider, oui ou non? On va voir des gens le supplier de vivre. Mais non! Non, John Doe est absolument inflexible. À Noël, qu'il pleuve ou qu'il vente, il saute! Hein? Magnifique. Magnifique, mademoiselle Mitchell. Mais je voudrais bien savoir qui sautera du toit de la mairie, selon vous. John Doe! Quel John Doe? Celui qu'on engagera pour ça, pauvre imbécile! Attendez une minute, que ma vieille cervelle ait une chance de comprendre. Vous voulez réellement qu'on engage un homme censé mourir par suicide à la veille de Noël? Voilà, vous y êtes. Qui, par exemple? Mais n'importe qui. Binny, s'il le veut. Bien sûr. À qui, moi? Que je plonge de... Ah non, à Noël, sûrement pas. Je suis superstitieux. Rendez-moi service, Miss Mitchell. Voulez-vous, sortez d'ici, mariez-vous, fondez une famille, mais ne vous occupez plus de la presse. Vous rédigez ce papier, hein, qu'on est en retard. Je vous imaginais plus malin que ça. S'il pleuvait des billets de 100, je parie qu'on vous retrouverait à chercher de la petite monnaie. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi je perds mon temps à écouter cette folle? Chef, regardez ce que le Chronicle dit sur John Doe, que c'est du bidon. Mais quelles ordures que... Une histoire digne d'amateur lamentable. Un faux tellement grossier que personne ne peut le prendre au sérieux. La
Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait! Parfait! Eh bien, il faut entrer dans leur jeu, il faut y aller. Dites que John Doe vient de faire une autre déclaration. Vous savez que ce sera un coup de tonnerre après ça. Ce sera tout, Ned, merci. Très bien. Des amateurs lamentables, hein? Mais quelle bande de jeunes morveux! J'en sais 100 fois plus qu'eux sur... Hé, hey, patron! Regardez donc ça! Quoi? Regardez! Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent tous qu'ils ont écrit la lettre! Ils ont tous écrit la lettre. Dites-leur d'attendre. Écoutez, monsieur Connell, l'un de ces hommes est votre John Doe. Il serait prêt à faire ce que vous voulez pour un café. Faites votre choix et demain, le Chronicle fera un démenti. Je commence à adorer ça. Eh bien, si vous voulez mon avis, vous jouez avec de la dynamite. Non, 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 non. Elle a dit vrai. Et ils ne s'amuseront pas à nos dépens. Il faut absolument trouver un John Doe. Amateur lamentable, hein. Oh, je vais leur faire voir. Bien sûr. Et ils ne risquent pas d'apprendre la vérité parce que... il est clair que je ne leur dirai rien. C'est d'accord, ma petite. Je vous reprends. Avec un bonus. Quel bonus? Oh, le bonus de $1000 que le Chronicle voulait m'offrir contre ce document. Il y est écrit que moi, Anne Mitchell, confirme que la lettre de John Doe a été écrite par je moi. Je sais lire, je sais lire. Désolée. Vous croyez que ça vaut $1000, ça? Oh, et le Chronicle vous dirait que c'est une affaire. À votre avis, c'est une affaire ou du chantage? D'accord, affaire conclue, ma petite. Bon, voyons voir ces candidats. Il faut absolument trouver l'Américain moyen. L'Américain moyen capable de la boucler. Montrez-moi un Américain capable de la boucler et je mange mon chapeau. Ok, Vinny, fais-le entrer un par un. C'est vous qui avez envoyé cette lettre? Non, non, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il y avait marqué qu'il y avait du travail. Je me suis dit qu'il y en avait peut-être un pour moi. Vous avez étudié? Oui, un peu. Vous aviez un travail? J'étais lanceur, madame. Baseball? Oui, j'ai été blessé au bras. Vous étiez classé? En deuxième division. Et la famille? Vous avez de la famille? Non. Ah, travailleur itinérant, hein? Oui. Moi et un de mes amis, il est là aussi. Il a l'air très bien. Il est parfait, un joueur de baseball. Il n'y a rien de plus américain. Et dommage qu'il n'ait pas de famille. C'est moins compliqué sans famille. Regardez ce visage, c'est merveilleux. Tout le monde lui fera confiance, venez. Vous vous appelez? Willoughby, John Willoughby. Long John Willoughby, qu'on m'appelait au baseball. Voudriez-vous gagner un peu d'argent? Oui. Peut-être bien. Vous accepteriez de dire que vous avez écrit cette lettre, quoi qu'on en pense? Oh, je vois ce que c'est. Oui, peut-être bien. C'est notre homme, c'est providentiel. Non, 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 je crois pas que ce soit le genre de type à rentrer dans l'ombre. Quand on est sans le sou, on est prêt à tout, monsieur Connell. C'est notre homme, j'en suis sûre. Oh, il s'est évanoui. Venez, levez-le. Un peu d'eau, vite. Dépêche-toi. Venez, asseyez-vous. Ça va? Oui, très bien. À combien on en est? 6? Ouais. Vous aviez faim? Allez-vous-en. Franchement, cette histoire de John Doe, ça me dit rien qui vaille, tu vois. On ne vous a rien demandé, vous. Penser refaire le monde parce qu'on saute d'une mairie. On referait même pas le monde en la faisant sauter, la mairie. Mon ami le colonel déteste l'humanité. Il vous aime assez pour rester avec vous? Parce que lui et moi, on est musiciens. On a pris le même wagon il y a près de 2 ans. Je m'amusais avec mon harmonica et il s'est mis à m'accompagner. J'ai pas pu m'en débarrasser depuis. Ah.
Voilà, messieurs, c'est lui. Non, 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 vous ne pouvez pas le photographier comme ça avec son sandwich et sa barbe. Mais il doit sauter du haut de la mairie. Oui, mais pas parce qu'il est sans emploi, c'est différent. Il doit sauter pour affirmer ses principes. Vous avez peut-être raison. On va le laver, on va le loger à l'hôtel avec des gardes, en faire un mystère vivant. Vous avez parlé à D.B. Norton? Oui, il est ravi et il nous laisse carte blanche. Il veut qu'on fasse brûler à petit feu tous les grands ponts de cet état. Oh, parfait, c'est le contrat. Ouais. D'où il sort celui-là? C'est son ami, ils font des duos ensemble. Des duos? Est-ce que c'est un méfiable? Je lui fais confiance. Ah, vous lui faites confiance, hein? Bien. Et il vous fait confiance, lui aussi? Oh, ne vous en faites pas, ça va aller. Donnez. Bon, d'accord, mais je n'ai pas envie d'impliquer plus d'une centaine de personnes dans cette histoire. Pour commencer, il me faudra une copie complète de la lettre de John Doe, écrite de votre main. Elle est déjà prête. Bon, c'est parfait. Ensuite, il faudrait signer cet avenant qui nous offre l'exclusivité d'un récit par vous-même, jour après jour, dès maintenant et ce, jusqu'à Noël. Et le 26 décembre, vous aurez droit à un billet de train pour quitter la ville. Et nous paierons aussi l'opération de votre bras, c'est ce que vous vouliez. Je veux être opéré par Bonsetter Brown. Entendu, Bonsetter Brown, d'accord, tenez, signez. Bon, voilà, $50 d'argent de poche. Parfait. Bini. Patron. Occupe-toi de lui, trouve-lui une suite à l'impérial et engage des gardes. Et des vêtements neufs, Bini. Faut aussi les débarrasser de leur poux. Oui, oui, oui. Tous les deux? Oui, tous les deux, mais surtout ne les perds pas de vue. Hé, Bini, un costume gris. Oui, oui. Dehors, messieurs. Bonne chance, John Doe. Quant à vous, attaquez-vous à votre papier. Ah bon sang, c'est magnifique. Pas de responsabilité de notre part. On s'en remet à John Doe et on fait trembler la terre entière. Avant de vous mettre dans tous vos états, n'oubliez pas de signer ce chèque de $1,000. Voilà, on y est. Bon, voyons voir. Vous restez devant la porte et vous bloquez l'entrée. Et vous deux, installez-vous. Eh, pas mal du tout, hein. Tu vas pas m'obliger à rester? Bien sûr que si. Oh, pas question, j'aime mieux aller dormir sous le pont comme l'autre soir, ça me suffit. Et où est-ce que je mets les bagages? Posez-les dans la chambre. Donnez-moi le lien, je m'en vais. Tu te rappelles qu'on allait vers le fleuve Columbia avant que cette histoire de John Doe vienne tout perturber? Dis-moi que tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. Tes oreilles se sont pas bouchées dans l'ascenseur, moi si. Oh, Long John, ça ne vaudra rien, je te le dis, tu vas t'habituer à un tas de trucs qui vont te pourrir. Avec les poches pleines de billets, t'es déjà plus le même homme, mon gars. Oh, et cherche pas à m'amadouer. Calme-toi, colonel. Ils vont repérer mon bras, je te signale. Hé, hey, le patron nous a envoyé des cigares. Assers-toi. Hé, hey, des cigares. Colonel? Non. Je parie que même les grands joueurs n'ont pas des apparts de gens. Tenez, faites comme chez vous. Journal? Je lis jamais la presse et j'écoute jamais la radio. Je sais que le monde se fait plumer par des escrocs et j'ai pas besoin de le lire. J'ai vu d'autres gars de ton genre devenir fous. Des types qui avaient jamais eu de soucis. Eh ben, le pognon les a rendus cinglés. Le premier truc qui arrive à... Hé, t'es pas allé voir la chambre? Non. Le premier truc qui arrive à un gars de ce genre, c'est d'avoir envie d'aller au restaurant, puis de s'asseoir à une table. Et de commander des salades, des petits fours, et puis du thé. Ça peut démolir un gars de bouffer ces trucs-là. Et ensuite, ces abrutis veulent une chambre. Je te le dis, une chambre avec chauffage. Des rideaux, des tapis, résultat, ils deviennent ramollos et ils peuvent plus dormir que dans un pieu. T'en fais pas, c'est pas 50 billets qui vont me transformer. J'en ai vu commencer avec $50 en poche et finir avec un compte en banque. Mais y a pas de mal à avoir un compte en banque. Et laisse-moi te dire un truc, quand tu seras devenu un type avec un compte en banque, John, ils te tiendront. Je te le dis, ils te tiendront. Qui le tiendra? Les escogriffes. Qui? Hé hey, voilà la tour de la mairie, d'où je suis censé sauter. Elle est plus haute que l'hôtel. Qui tiendra ce type? Les escogriffes. Wow! Hé, hey, une minute! Tu ne dois pas sauter avant la veille de Noël, tu veux que j'ai un blâme? Si je peux éviter un blâme, compte sur moi. Je ne sauterai pas. Et quand ils te tiendront, tu ne vaudras pas mieux qu'un lapin devant des phares. Et qui t'a dit qu'il tiendrait ce type? Mais c'est une de ces pioles où on peut commander ce qu'on veut. Oui, oui, il suffit de téléphoner. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Eh, dis donc, attends. Eh, dis donc. Tu pourrais répéter, qui tiendra ce type? Les escogriffes. Mais qui c'est? T'as déjà été complètement fauché? Ah oui, la plupart du temps. Très bien. Tu te balades dans la rue, sans un sou dans la caisse, libre comme l'air, on vient pas te chercher, et tu vois énormément de monde. Tu vois des commerces, chaussures, casquettes, automobiles, radios, meubles, etc. Rien que des gens absolument charmants qui te laissent tranquille. C'est pas vrai? Mais un jour, t'as du pognon, et qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens sympas et absolument charmants deviennent des dingues, des escogriffes. Ils viennent en rampant vers toi.
Ils veulent te vendre leur camelot avec leurs longues griffes. Ces types te sautent à la gorge. Et toi, tu trembles et tu cries et tu te caches et tu les repousses de la main, mais t'as aucune chance, ils te tiennent. D'un seul coup, t'as des choses à toi. V'là que t'as une voiture. Ta vie devient encombrée par de plus en plus de trucs. La carte grise à payer, sans oublier les plaques, et l'essence, et l'huile, et les taxes, et l'assurance, et toutes les photos d'identité, et des tas de factures, de pneus à plat, de garages, de contraventions, de flics à motocyclette, de tribunaux, d'avocats, d'amendes, et des millions d'autres choses. Et tu sais ce qui arrive? Bah t'es plus le type insouciant d'autrefois. Faut avoir les moyens de payer toutes ces choses-là. Alors t'essayes de prendre du fric à ton voisin. Et t'es coincé. Tu deviens un de ces escogriffes. T'as gagné, colonel. Prends les 50 dollars. Et va t'en débarrasser. Bah tiens, je vais m'en débarrasser à la vitesse de l'éclair. Acheter une boîte de conserve et une canne à pêche et puis filer le reste au premier venu. Au premier venu? Hé, hey, et achète-moi un gant de baseball que je m'entraîne. Hé, hey, si vous filez le reste, moi je veux ma part. Reviens tout de suite, espèce d'escogriffe. Envoyez-moi 5 hamburgers avec des frites, 5 sodas à la crème glacée et 5 parts de tarte aux pommes. Non, aux pommes. Et du gruyère. Oui, merci. Bonjour. Bien, bien. Voilà donc l'homme dont parle toute la ville. Je suis prêt, mademoiselle. Mmh. Oh, oh, oui. Allons-y. Mmh. Il nous faut un peu d'action sur ces photos. D'action? Mmh. Excellent. Non, non, non. Cet homme s'apprête à sauter d'un toit. Oh. Attendez, laissez-moi vous repeigner un peu. Asseyez-vous. Voilà, c'est mieux. Il a un visage sympathique, hein? Oui, il est mignon. Hey, restez assis. Tais-toi, crétin. Prenez une expression plus sérieuse. Non, je me sens trop bien. Oh, je vous en prie, c'est sérieux. Vous êtes dégoûté par toute notre civilisation. Quoi, c'est vrai? Vous en voulez au monde entier, réveillez-vous. Bah, type grincheux, alors. Oui. Non, non. Non, 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 on ne vous demande pas de le sentir. Bon, et tous ces types, c'est pas grave. Ne vous en occupez pas. Levez-vous, debout. Bon, de quoi avez-vous l'air lorsque vous protestez? Contre quoi? Contre n'importe quoi. Protestez. Bon, j'y arrive pas. Oh. Bon, je suis votre arbitre. Vous venez de toucher le cœur du marbre avec une balle rapide et je ne l'ai pas vu. Que faites-vous? C'est scandaleux. Bien. Vous auriez dû le voir, espèce de... pauvre débile, espèce d'abruti. Dont il publie le portrait. Je continue à dire que ce John Doe, à mes yeux, est un mythe et vous avez le droit de me citer. Et je demanderai officiellement que cet homme soit interrogé. Vous et moi, nous savons tous que c'est un canular sciemment concocté par un homme diabolique dans un but diabolique, Monsieur D.B. Norton. Monsieur Connell et Miss Mitchell vous attendent. Ah oui? Très bien, en avant.
Et je pense que ce serait stupide de laisser tomber. Il reçoit des lettres d'admirateurs par milliers. Ça se répand plus vite qu'un feu de prairie. Qu'est-ce que vous craignez, Connell? Cette histoire a doublé nos ventes, non? Oui, mais tout le monde nous en veut. Nous perdons des budgets de publicité. Le gouverneur compte nous faire un procès. Ils savent tous que John Doe n'est qu'un imposteur. Ils veulent tous voir ce Pourquoi type. Pas? Laissons-les le voir. Ils vont même pouvoir l'entendre. Vous avez une station de radio, Monsieur Norton. Il faut le mettre à l'antenne. Méfiez-vous de cette femme, Débé. Elle vous rendra dingue. Oh, vous voulez leur livrer sur un plateau votre joueur de baseball? Bonne chance! En plus, ce cinglé est capable de tout. Je suis rentré hier. Il était debout sur une table avec une canne à pêche. Il faisait des essais. Suivez mon conseil, faites-lui quitter la ville avant que ça nous explose au visage. Si vous faites ça, c'est que vous êtes encore plus débile que lui. Excusez-moi, monsieur. Vous vous êtes trouvé une vache à lait et oui, vous vous accrochez. C'est une vache à lait, pourquoi pas, mais c'est aussi une aubaine pour un homme comme monsieur Norton qui veut se lancer dans la politique. C'est pour ça que vous avez acheté le journal, pour toucher le public, non? Faites passer John à l'antenne et vous en toucherez 130 millions à la fois. Il leur dira ce qu'il veut et les gens l'écouteront. On oubliera enfin le gouverneur, le maire et tout le menu frottin de ce genre. Ce sera une cause d'intérêt national. Ce type fera un succès où qu'il aille, n'importe où sur le territoire. Et c'est vous qui tirerez les ficelles, monsieur Norton. Retournez au bureau et mettez ce type à l'antenne. Oh, Débé, vous n'allez quand même pas... Que ce soit fait dès que possible. Très bien. J'étais seulement venu me réchauffer. Venez, on rentre. Restez ici. J'aimerais vous parler. Asseyez-vous. Toute cette histoire de John Doe vient de vous, non? Oui, monsieur. Combien gagnez-vous par semaine? $30. $30? Mais vous recherchez quoi exactement? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Le journalisme? Non, l'argent. L'argent. Heureux de voir quelqu'un qui l'admet enfin. Est-ce que vous pensez pouvoir écrire un discours radiophonique qui ferait de ce type une vedette? Oh, j'en suis certaine. Si vous le faites, c'est $100 par semaine. Oh, $100? Et ce n'est qu'un début. Si vous vous en sortez bien, vous n'aurez plus jamais le moindre problème d'argent. Ah, je le savais. Bonjour. Bonjour. Dès qu'il y a une jolie femme dans les parages, je vous présente mon neveu, Ted Sheldon, Miss Mitchell. Enchanté. Enchanté. D'accord, Casanova, je te la confie. Raccompagne mademoiselle chez elle en voiture. Tu l'es toujours dans mes pensées, cher oncle. Au revoir, je vous remercie pour tout. Miss Mitchell, dorénavant, vous travaillez directement avec moi. Oui, monsieur. J'en peux plus. J'arriverai pas à écrire ce discours. Oh, tu y arriveras, Anne. Tu es bourrée de talent. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu cherches? Ton sac. Il me faut $10. Pourquoi faire? Je t'en ai déjà donné 50 l'autre jour. Je sais, chérie, mais Madame Burke a eu son bébé hier à 9 livres. Mmh. Elle n'avait rien pour l'accueillir. Et la dame de l'aide sociale est venue. Et adieu, les $50. Et les 10, c'est pour qui? Les Webster. Les Webster. Oui, tu te rappelles, ces gens charmants dont s'occupait ton père. Je voulais leur acheter un petit peu de nourriture. Oh, Anne, chérie, quel dommage. C'est merveilleuse. C'est exactement ce qu'aurait fait papa. Tu te rappelles qu'il y a 2 semaines, on avait à peine de quoi se nourrir? Oh oui, je sais, chérie, mais ces pauvres gens manquent de tout. Nous avons les moyens. Si tu penses maintenant à ces $1000, oublie-les. J'ai presque tout dépensé. Tout le monde nous avait prêté de l'argent. Il faut que tu arrêtes de jeter l'argent par les fenêtres. Oh, Anne, chérie. Oh, je te demande pardon, maman. Oh, oublie ce que j'ai dit, je t'en prie. Je suis passablement énervée par tout ça. C'est trop bête. J'avais enfin une vraie opportunité d'y arriver, de nous protéger au moins une fois dans notre vie. Et voilà, si je pouvais finir ce truc, ta Madame Burke pourrait avoir 6 bébés. Tu veux dire les discours que tu écris? Oui, c'est curieux, je n'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. J'ai créé un homme prêt à donner sa vie pour des principes. Des centaines de milliers de personnes vont l'écouter à la radio. Et s'il ne leur dit pas,
Des choses sensationnelles, tout ça ne sert à rien. Oh, ma pauvre chérie, je ne sais pas quel genre de discours tu essaies d'écrire. Mais si j'en juge par le peu que j'ai lu, je ne crois pas que les gens écouteront. Quoi ? Il y a tellement de discours politiques où les gens se plaignent. Le public en a assez, on ne parle plus que de désespoir à la radio. S'il faut qu'ils disent quelque chose, pourquoi ils ne parleraient pas de choses simples et réelles qui donnent espoir aux gens ? Si ton père était encore en vie, il saurait quoi dire. Oui, il savait trouver ses mots. Attends une minute. C'est le journal de ton père, Anne. Mais j'ignorais qu'il tenait un journal. Il y a de quoi faire une centaine de discours qu'on aurait bien besoin d'entendre aujourd'hui. Mais promets-moi d'en prendre soin. Il m'aide à préserver la mémoire de ton père. Oh, j'en prendrai soin, maman. Je vous répète que John Doe ne veut pas signer vos fichiers autographes. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Comment ? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Mais il travaille sur ses mémoires. Désolé, on ne peut pas voir Monsieur Doe. Il ne veut voir personne. Non ? Il reste là toute la journée, plongé dans ses pensées. Bal ? Et dire que jusqu'à Noël, tu vas devoir supporter ça. Je parie que t'as pas entendu un train siffler depuis 2 semaines. Strike! Je sais pourquoi tu restes là. T'es fou de cette fille. On a besoin que de ça, tiens, d'être arrête dingue d'une bonne femme. Pas mal. C'était quoi, un single ? La première basse perd la balle. Espèce d'amateur ! T'as pas de bol. Quand on a une bonne femme sur les bras, sans s'en rendre compte, on accumule de plus en plus de trucs. Des meubles et... Tu l'as manqué de plus d'un kilomètre. Oh, tu l'as eu. Ben... Tu es out. Super. C'est la fin de la 8e. 9e. Hé, hey, Binny, j'ai surpris 2 types du Chronicle en train d'espionner. Ah. Amène-toi, gueule d'ange. Laissez passer. Hé, hey, où en est le score? 3-2 en notre faveur. Ah, c'est super. Vous êtes en pleine forme, vous deviez être un vrai champion. Pratiquement, je devais même passer en première division, mais c'est là que je me suis démis le coude. J'ai disputé un match à 19 manches. 19 ? Ouais, un sélectionneur national était venu me voir à l'œuvre. Il est venu après le match avec un contrat. Vous devinez ? J'ai pas pu lever le bras pour le signer. Mais ça va aller une fois qu'on m'aura opéré. Ah, c'est dommage. Comment ça, dommage ? Hein ? Oh, que vous puissiez plus jamais jouer. Vous m'écoutez pas, je vous dis qu'on va m'opérer le bras. Eh, c'est comme ça dans le baseball avec les joueurs mêlés à des raquettes. Raquettes? Je comprends pas. Bah, je pensais à cette affaire de John Doe à la manque. Dès que les gens apprendront que c'était du flan, vous pourrez dire adieu au baseball, pas vrai? Oui. Oh, ça alors, j'avais pas pensé à ça. C'est moche. Ah, et autre chose, vous pensez à tous les gamins du pays? Leurs idoles, c'est les joueurs de baseball, non? Alors vous serez quoi, d'après eux? Oui. Hey, colonel! T'as entendu ça?
Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. L'ascenseur est pas en panne. Je sais comment vous pourriez faire. Comment? Eh ben, quand vous passerez à la radio, il vous suffira de dire que vous vous êtes fait piéger. Vous serez un héros, je vous en fiche mon billet. Oui, mais comment je ferai opérer mon bras? Il n'y a rien de plus simple. Je connais un mec qui vous refilera 5 000 $ rien que pour dire la vérité à la radio. Vous dites 5 000 $? Ouais, on vous refilera 5 000 $ de la main à la main. Vous n'aurez même pas à attendre les fêtes. Fais gaffe, Long John, ils sont en train de te coincer. Où vous le trouverez, cet argent? Le directeur du Chronicle. Et voilà votre discours, tout est écrit noir sur blanc. Il va se faire 5 000 $. Nom d'un chien, je vois d'ici arriver tous les escogriffes du monde, toute une armée de rapaces. Alors, ça marche? Non, je regrette, il n'y a plus de place dans notre studio. Appelez le bulletin? Non, il n'y a plus un seul billet. Laissez passer, circulez. Allez, circulez. Écartez-vous. Hey, Anne. Alors, John, prêt pour votre grand soir? Bien. Tourne-toi. Un moment. Ici. Bien, monsieur Lowe, c'est parfait. Merci. Regardez, John, voilà le discours en capital et double interligne pour que ce soit plus facile à lire. Vous n'êtes pas nerveux? Non. Bien sûr que non, il ne le serait pas. Qui? Le John Doe que j'ai inventé. Hé, hey, tâche de pas claquer des dents pendant que oh, tu parles. Oh, Vinny, ne soyez pas inquiète, John, tout se passera à merveille si vous êtes sincère. Miss Mitchell, un appel pour vous. Très bien. Allô? Oui, maman. Ah, je te remercie. Oh, il est là, notre pauvre Sabine. Maman, je ne peux pas te parler là. Je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes toutes avec vous. Laissez-le tranquille. Ne m'embêtez pas. Allez à côté. Écoutez toute la transmission. Laissez-le. Il est déjà assez nerveux. Hé, vous avez le discours? Oui. Très bien. Je donnerai ces billets au colonel dès que vous serez lancé. J'ai même une voiture qui vous attendra à la sortie. D'accord. Comment êtes-vous entré? Hein? Oh, j'étais venu lui souhaiter bonne chance. C'est bon, dehors. Dehors. Ma mère dit qu'elle écoutera aussi. John, il faudra absolument, absolument croire à ce que vous dites. C'est devenu une personne merveilleuse, John. Qui? John Doe, celui du discours. Oh. Je dois même vous avouer que je suis tombée amoureuse de lui. Et voilà, c'est lui. Il est à vous, ma grande. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est trop, voyons, du calme. Merci. Ce n'est pas... Non, c'est trop, ça suffit, calmez-vous. Oh, on peut se passer de ce genre de publicité, monsieur Connell. S'il n'est pas fichu d'aligner deux mots, ça sera au moins ça de gagné. Je vous présente John Doe, ma petite. Oh, je vous en prie, pourquoi vous m'en passez pas? Moi aussi, il faut que je m'entraîne. Ça va, chérie, allez dehors, du balai, sortez tous et ne revenez pas. Alors, ça va comment? Laisse-les passer, Vinny. Nom d'un pétard, des demi-escogriffes. Et voilà, patron, c'est ce que vous vouliez, des symboles du petit peuple. Faites-les monter sur la table. Allez, on y va. Oh, c'est grotesque, monsieur Connell. Laissez-le, cet homme doit passer à l'antenne dans une minute. Allez. Oh, messieurs, tout à l'heure, vous ferez toutes les photos que vous voulez. Soyez gentils, sortez, je vous en prie, allez. Sortez, merci. Allez, tout le monde dehors, vous ferez toutes les photos que vous voulez plus tard. Merci, c'était très bien. Sortez, soyez gentils, merci. Tu viens, trésor, il faut partir. Eh bien, au revoir, monsieur Doe. Vinny. Oui, bon, ça va. Prêt, antenne dans une minute. Oh, plus qu'une minute. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je vous en prie, John. Vous n'allez pas me laisser tomber. N'est-ce pas? Non, j'en suis sûre. Il faut vous convaincre que vous êtes le vrai John Doe. Écoutez, tout ce qu'il y a dans ce discours a été écrit par un homme bien. Et cet homme, c'était mon père, John. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Et ils vous écouteront aussi. Vous savez ce que ma mère a dit l'autre soir? Que si je regardais vos yeux, c'est lui que je verrais. Hé, hey, allons-y, on vous attend. Nous arrivons tout de suite. Venez. Écoutez, John, c'est comme un match. Vous allez gagner ce match. Bonne chance. Allez, laissez-le passer. Dégagez. Tu viens, on dégage, la sortie c'est par là. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est bien ce que je me demande. Allez, dehors. Hey, c'est un de mes amis. Laissez, ça va aller, ne vous en faites pas. Je vais rester là pour vous soutenir. Non, John, le micro est là. On y va.
appeler le Chronicle. Il faut lancer cette édition spéciale. Fly, chers auditeurs, soyez les bienvenus au nom du nouveau bulletin. Ce soir, nous vous offrons une émission nouvelle et différente. À mes côtés se trouve le jeune homme qui a déclaré publiquement qu'il a l'intention de se suicider la veille de Noël, dans le but, et je le cite, de protester contre l'état actuel de la civilisation. Fin de citation. Mesdames et messieurs, le nouveau bulletin a le plaisir de vous présenter l'homme dont on parle le plus en ce moment dans tout le pays, John Doe. Mes chers amis, ici l'homme que vous connaissez sous le nom de John Doe. J'ai choisi ce nom d'emprunt parce qu'il me semble adapté... parce qu'il me semble adapté à l'Américain moyen. Ce que je suis... ce que je suis... enfin, ce que j'étais, avant de dire que je me donnerais la mort en sautant d'un toit la veille de Noël à minuit tapante. Depuis, je ne dois plus faire partie de la moyenne. Je commence même à attirer l'attention des gens haut placés. On s'est fait doubler. Le maire, le gouverneur, par exemple. Il déteste les articles que j'ai publiés. Vous êtes un imposteur, jeune homme. Et vous mentez de façon éhontée. Qui a écrit ce discours pour vous? Faites taire ce crétin. C'est Spencer. Mesdames, messieurs, cette perturbation a été causée par un spectateur qui a tenté d'interpeller Monsieur Doe. Il va reprendre son discours. En fait, je vous promets que le gouverneur... Je vous promets que le gouverneur et ce monsieur n'ont aucun souci à se faire. Je n'ai pas l'intention de parler d'eux. Je vous parlerai seulement de nous. Les Américains moyens, les John Doe... Si jamais quelqu'un vous demande à quoi ressemble un John Doe, vous ne pourrez pas le lui dire parce qu'il est un million de choses. C'est Monsieur Plus et Monsieur Moins. C'est un simple et c'est un sage d'une honnêteté totale, avec au fond de lui un soupçon d'escroquerie. Car dès qu'il voit un téléphone public, il enfonce le doigt au fond de l'appareil au cas où quelqu'un aurait pu oublier des pièces dedans. C'est l'homme à qui s'adressent les publicités. C'est l'homme à qui on peut vendre tout un tas de choses. C'est le soldat inconnu, le plus grand pantin du monde. Et en fait, sa plus grande force... Nous sommes donc une grande famille de John Doe. Nous sommes les bienheureux qui seront demain les héritiers de cette terre. Il est facile de nous trouver. Nous sommes agriculteurs, mineurs de fonds, ouvriers à la chaîne, gratte-papier, pilotes d'avion et chauffeurs de bus. Chaque fois qu'un flic dit « Hé, là-bas, toi, recule », c'est pour nous, les John Doe. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Vous l'aviez approuvé? Nous existons depuis la nuit des temps. Nous avons bâti les pyramides, nous avons vu crucifier le Christ, nous avons ramé dans les galères romaines, navigué avec Christophe Colomb, vécu la retraite de Russie avec Napoléon... et souffert avec Washington à Valley Forge. Oui, nous survivions déjà tant bien que mal, avant même que l'histoire commence sa longue marche dans ce combat pour vivre libre. Nous avons souvent perdu courage, mais nous avons repris espoir parce que nous sommes le peuple, nous sommes vaillants. On entend souvent dire que les démocraties s'affaiblissent. On ne saurait le tolérer. Ce ne sont que des idioties. Un peuple libre peut se battre sur tous les fronts pour vaincre ses ennemis si tous ses efforts vont dans la même direction. Certains d'entre vous se disent « Je me sens exclu. Comment contribuer? Je ne suis qu'un anonyme.
Eh bien, vous avez tort, et chaque Américain moyen compte, parce qu'à y regarder de près, le caractère de votre patrie n'est que la somme des caractères de tous ceux qui veulent la défendre. Mais il nous faut tous descendre dans l'arène. Nous ne pouvons remporter ce match qu'avec un esprit d'équipe. Et c'est là que chaque John Doe doit intervenir. C'est à lui de s'associer avec son coéquipier. Et votre coéquipier, mes amis, c'est le type qui habite à côté de chez vous. Votre voisin, c'est un homme extrêmement important, cet homme-là. Vous aurez besoin de lui et il aura besoin de vous, alors ne le méprisez pas. S'il est malade, veillez sur lui. S'il a faim, nourrissez-le. S'il a perdu son emploi, trouvez-en un pour lui. Pour la plupart d'entre vous, un voisin n'est qu'un étranger, un gars avec une palissade et un chien qui aboie constamment. Seulement, ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un qui joue dans votre équipe. Cassez donc cette clôture qui vous sépare de lui. Cassez-la au plus vite, et vous anéantirez aussi la haine et les préjugés. Cassez tout ce qui vous désunit aujourd'hui, et vous aurez enfin une équipe. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Que ce type croit au miracle s'il espère réellement que le peuple changera du jour au lendemain. Et vous avez tort, ce n'est pas un miracle. Je le sais parce que je le vois se reproduire une fois par an. Et vous aussi. À Noël, par exemple. Quand l'esprit de Noël répand sa magie dans le monde, les humains en sont transformés. Tout est transformé. Pourquoi cet esprit, ce merveilleux esprit de Noël, ne pourrait-il pas durer toute l'année? Bon sang. J'aimerais tant faire ça. J'aimerais que, grâce à tous les John Doe du monde, l'esprit de Noël reste dans le cœur des hommes chaque jour de l'année, afin d'avoir enfin la force de créer un tel raz-de-marée de bonne volonté qu'aucun ennemi au monde n'y résisterait. Oui, mes amis, les humbles n'hériteront de cette terre que lorsque tous les John Doe du monde aimeront leurs voisins. Commencez donc tout de suite. N'attendez pas que les ténèbres fassent annuler la rencontre. Debout, John Doe, tu es l'espoir du monde. Vous avez été merveilleux. Allons-nous-en ici. Là, je suis avec toi. Allez, circulez, tant d'escogriffes. Dégagez, laissez passer. Je savais que tu te réveillerais tôt ou tard. Ça fait du bien de sortir de ce cauchemar. J'avais $5,000 à portée de main. Je pouvais me faire opérer par Doc Brown. C'est un match, d'accord, John? Alors allez gagner ce match. Oh, quel crétin. Oh, c'est une escogriffe comme tous les autres. T'as bien fait de lui échapper, allez. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller faire ce discours, en fait? De quel droit? Oh, plus j'y pense, eh, plus je pourrais. Casser dans toutes les clôtures. Va donc casser un seul piquet à ton voisin et il te collera un procès. J'avais $5,000 à portée de main. Mais comment ça, il s'est enfui? Retrouvez-le immédiatement, ce type est parfait. Préparez-vous les poissons, on arrive. Combien il nous reste en poche? $4. Vaut mieux prendre des donuts? Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Vous auriez deux beefsteaks gros comme ça et épais comme ça? Oui, avec des grosses pommes de terre et des tomates et de la tarte aux pommes et de la glace et du café. Et des donuts? Je vois le genre. Main! Donuts! Une paire!
Deux donuts, ça marche. On a une paire de quoi? Hé, regarde. Inscrivez-vous au club John Doe. Le club John Doe? John Doe. John Doe. John Doe. C'est vous, John Doe? Qui? John Doe. T'as besoin de lunettes, mon garçon. Oh, bon sang. Oh, c'est le portrait craché de John Doe. Hey, mais il s'appelle Willoughby. Oh. Non, John Willoughby. Je suis joueur de baseball. Oh, non. Je reconnais bien votre voix. Vous ne m'aurez pas. Vous êtes John Doe. Et ma, c'est John Doe. John Doe? Oui, il est bien là. C'est pas un rêve. De qui tu parles? John Doe, ce grand type là. Oh, il y a sa photo en première page. Elle est quand? Regardez ça, c'est lui. John Doe, c'est John Doe. Impératrice, ici Dan Beaver. Il faut que toute la ville le sache. John Doe est venu dans mon bar. Oui, il voulait des donuts. Non, personne ne verra John Doe. Mon bureau est déjà plein comme le métro aux heures de pointe. À quoi ressemble John Doe, monsieur le maire? Bon, c'est vraiment une armoire à glace. Il joue au baseball. Non, vous ne le verrez pas. Fallait voter pour moi. Honte à vous, dégagez. Je ne veux plus vous voir. Eh, hey, monsieur Norton, vous êtes arrivé? Ah, oui, il peut bien être. C'est pas possible. Il a plus de 20 minutes de retard. Attendez. Ah oui, vous voilà. Je veux que vous restiez digne. Évitez les scandales et faites honneur à la ville. Je compte sur vous. Laissez-moi lui parler, je vous en prie. Très bien, mais présentez ça comme une cause à valeur humaine. Ah, il arrive, circulez, faites plus en bonne place, les amis. Ne vous bousculez pas, ne vous bousculez pas. Il arrive, ici, monsieur Norton. Il s'en va, monsieur Norton, je suis le maire, on quitte. Monsieur Norton. Interdit. Bon, Rayu, rentrez chez vous. Je suis le maire, monsieur Norton. Monsieur Norton, je suis le maire, on quitte. Notre bureau m'a demandé de le retenir. Oh, merci, comment va-t-il? Très bien, il est dans mon bureau là-bas. C'est un honneur de recevoir John Doe ici, ainsi que vous. C'est le plus beau jour de ma vie depuis l'incendie du vieil hôtel de ville. Ce pauvre John a failli se faire arracher la chemise. Dites ça à la presse que M. Norton est ici. Je vous prie d'entrer, M. Norton. Vous entrez, entrez dans mon bureau. Je viens d'y faire installer l'air conditionné. Un peu de place, écartez-vous pour M. Norton. Laissez passer. Le voilà, M. Norton, il est en pleine forme. Les voisins lui ont servi un déjeuner léger. Bonjour, John. Bonjour. Monsieur le maire, si vous le voulez bien, nous aimerions rester seuls. Entendu. Dehors, tout le monde. Allez, dehors. Non, ne discutez pas. En avant. C'est très bien. Allez, dehors, du vent, du balai, ou allez, ne me contrarie pas, garde ça par la maison. Alors, mais ne me pousse pas, d'accord? C'est pas parce que je suis ta femme que tu peux me bousculer. Là, vous êtes allé trop loin, monsieur Norton. Pourquoi leur avoir demandé de vous séquestrer? Quoi? Mais personne ne vous séquestre, monsieur Doe. Mais il est naturel. Personne ne nous séquestre, on va y aller. D'ailleurs, je ne m'appelle pas Doe, mais Willoughby. Attendez. Si seulement vous saviez tout ce qui se passe. Des clubs John Doe se forment, je crois qu'il y en a déjà 8 et les gens disent que... Clubs John Doe, pourquoi faire? Défendre les principes dont vous avez parlé dans votre discours. Je me fiche de vos clubs, je reprends ma liberté et je vous jure que cette fois, on ne m'arrêtera pas. Oh, mais c'est très important, John. Si vous voyez les milliers de télégrammes que nous avons reçus et ce qu'ils disent à votre sujet... Tout ça n'était qu'un truc pour vendre votre journal. Vous avez réussi, non? Alors j'aimerais bien que vous me laissiez partir. Au début, c'était une histoire de tirage, mais ça ne l'est plus. Monsieur Norton veut s'impliquer, sponsoriser les clubs à travers tout le pays. Il veut vous envoyer donner des conférences. Moi? Mais certainement. Vu votre capacité à mobiliser les foules, ça pourrait devenir un fabuleux mouvement. Je vais être extrêmement clair. Je ne veux pas être mouillé là-dedans. Si vous croyez que je vais aller de ville en ville haranguer le public, ben vous êtes cinglé. Mon truc, c'est le baseball et je vais y retourner. Eh bien, colonel, on s'en va. John! Je ne peux pas passer ma journée à interdire l'entrée de mon bureau. Je vous en prie, monsieur le maire. Dites à monsieur Doe que son club voudrait lui parler. Laissez faire, monsieur le maire, laissez-les venir. Oui, mais n'oubliez pas les bonnes manières. Pas de bousculade, marchez lentement, comme chaque fois que vous venez payer vos impôts. Allez, dehors. Ah, j'arrive, laissez-moi le temps. Je m'appelle Bert Hanson, monsieur Doe, serveur de soda au drugstore Schwab Baker dans le centre. En fait, l'autre soir, moi et ma femme, on a entendu votre discours et vous nous avez bouleversés tous les deux, et spécialement ma femme. Elle m'a empêché de dormir en disant « Cet homme a dit vrai, chérie. Le problème dans le monde, c'est qu'on se fiche de son voisin. C'est pour ça qu'en ville, tout le monde est tellement agressif. »
Et je lui répondais, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais pour aimer le genre de voisin qu'on a, faut se lever tôt. Le vieux Ruspetter, par exemple. Enfin, je veux dire, monsieur Smithers, le gars qui habite tout seul à côté de chez nous, c'est un affreux grand-père qui vend tout un tas de meubles d'occasion. On lui a pas parlé depuis des années. En fait, je l'avais toujours pris pour un vieux grincheux qui détestait le monde à cause qu'il frappait sur la porte de son garage le soir et qui mettait la radio tellement fort qu'il empêchait tout le monde de dormir. Enfin, le lendemain, j'arrose ma pelouse et là, d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Le vieux Ruspetter de l'autre côté de la haie qui est en train d'arracher sa clôture. Et ma femme qui était à sa fenêtre me dit « Allez, courage, parle-lui, Bert !» Et là, je me dis, pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Alors, je crie dans sa direction, « Bonjour, monsieur Smithers !» Et il continue à arracher sa clôture. Alors, moi, je le prends mal. Et alors, je me retourne vers ma femme pour l'engueuler. Elle me dit, « Hurle, hurle, il a rien entendu !» Alors, d'une voix qu'on entendrait dans le comté voisin, moi, je lui hurle, « Bonjour, monsieur Smithers !» Et ben là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Ce vieux Ruspetter se retourne l'air surpris et il me sourit comme un malade. Il vient vers moi, on serre la main comme si on était deux vieux frères. Et il dit, bien le bonjour, Hanson. Il y a des années que j'avais envie de vous parler, mais je croyais que vous m'aimiez pas. Et il se met à bavarder comme un petit garçon. Il était tellement heureux qu'il a les yeux qui pétillent. Enfin voilà, monsieur Doe, voilà comment j'ai su que le vieux Smithers, c'est un bon gars. Sauf qu'il est un peu dur de la feuille et que ça explique le boucan. Et là, il dit, dommage qu'on se connaisse si peu entre voisins. Et une idée lui vient. Il dit, pourquoi on n'inviterait pas tout le monde dans un endroit où on pourrait tous se retrouver et discuter les uns les autres? Alors bon, moi je me sens comme un gamin, je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors Smithers sonne à toutes les portes et invite tout le monde à venir à l'école du coin. Et moi, j'invite les clients du drugstore, y compris monsieur Schwabecker, mon patron. Je suis vraiment trop bavard. Enfin, le plus incroyable, c'est que plus de 40 personnes sont venues. Bien sûr, aucun de nous ne savait que faire, mais ça nous a emballés de voir à quel point les gens étaient heureux de se dire enfin bonjour. Dis-lui que Smithers a été nommé président. Oh oui, on a fait du Ruspetter notre président et on a décidé de créer le club John Doe, monsieur. Tenez, d'ailleurs, je vous présente ma femme. Viens, chérie. Voilà ma femme, monsieur Doe. Enchanté, monsieur Doe. Le vieux Ruspetter est là aussi. Oh, il est là. Et voilà le Ruspetter. Excusez-moi, monsieur Smithers, monsieur Doe. Oh, ça fait rien. S'il m'appelait pas le Ruspetter, ça me ferait tout drôle. Bon, enfin voilà, je crois que presque tous nos voisins sont venus ce jour-là, sauf les Delaney. Les Delaney habitent un manoir avec des grilles en fer forgé et ils gardent les volets fermés toute la journée. Enfin, tout le monde pensait que c'était sûrement de vieux avares qui aimaient compter leurs billets, alors pas la peine d'inviter ce genre de type. Jusqu'à ce que Grimes, le laitier, prenne la parole et dise « Au sujet des Delaney, vous avez tort ». Et il nous dit qu'il y a une semaine, ils ont annulé leur commande de lait frais. Il avait trouvé une note dans une bouteille et ça l'a rendu curieux. Alors il a jeté un petit coup d'œil sous les volets et le manoir était quasiment vide. Et à mon avis, qu'il dit, ils doivent crever de faim. Le grand-père de l'année, il venait mettre tous ses vieux meubles dans ma boutique le soir. Il me revendait tout ce qu'il avait, c'est dingue. Oui. Et enfin, on s'y est mis à 6 ou 7 pour aller les chercher et les amener à la réunion. Et quelle réception ils ont eue. Tout le monde voulait leur serrer la main, tout le monde voulait être leur ami. Et pour finir, monsieur et madame Delaney ont versé une ou deux larmes. Et on a appris des tas de choses sur des tas de gens. Oh, ça pour sûr. Grubble, par exemple. Grubble est là. Regarde. Ah oui, c'est lui. Bien sûr, vous connaissez pas Grubble, mais c'est un homme que tout le monde prenait pour un moins que rien dans le quartier, parce que il vivait comme un ermite. Et personne voulait avoir affaire à lui. Enfin, jusqu'à ce que Murphy, le postier, nous apprenne la vérité. Ce pauvre Grubble qui nous a dit, s'il fait les poubelles, c'est parce qu'il ne veut pas demander l'aumône à cause qu'il tient à son amour propre. Et c'est ce que vous disiez à la radio, monsieur Doe? Après ça, près d'une douzaine de familles ont payé Grubble pour qu'il arrose leur pelouse. C'est pas merveilleux? Et on a offert des emplois à 6 autres pauvres gens. Ils ont tous arrêté de pointer au chômage. Et mon patron, monsieur Schwabecker, vient d'employer aux fournitures le vieux monsieur Delaney. Et il vient de t'augmenter de 5 dollars. Oui, c'est vraiment chouette. Mais Bert, je suis vexé. J'aimerais me joindre à vous, mais personne ne me l'a demandé. Et désolé, monsieur le maire, mais nous avons voté. Aucun politicien dans nos rangs. C'est un club réservé au John Doe. Et vous connaissez les politiciens, n'est-ce pas? Enfin, si on a voulu vous raconter tout ça, monsieur Doe, c'est pour vous donner une petite idée de ce que vous avez déclenché. Et je comprends pas bien pourquoi vous avez l'air aussi décidé à sauter d'un bâtiment. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, monsieur Doe.
Vous êtes vraiment un type bien. Et franchement, je pense que vous pourriez vous rendre utile encore un bon moment. Au revoir. Je suis madame de l'année, monsieur Dunn. Ni Dieu vous bénisse, mon petit. C'est malin, je ne sais plus où j'en suis. J'y comprends rien. Tous ces braves gens pensent que je vais sauter d'un toit ou je sais pas quoi. J'en ai jamais eu l'intention. Bon sang. À moins d'être parfait soi-même, comment on pourrait donner des leçons à ces pauvres gens? Et rien ne serait arrivé l'autre soir sans Miss Mitchell. C'est elle qui a écrit le discours. Ça pourrait vraiment être merveilleux, John. Mais vous devez nous aider. Ils te tiennent, là, t'es coincé comme un rat, t'es coincé. Oh, je veux pas voir ça. Il y a 3 ans que j'essaye de t'emmener avec moi jusqu'au fleuve Columbia. D'abord, tu t'es cassé le bras, après, il y a eu la radio, maintenant, il y a tes fichus clubs. J'attends pas une minute de plus. Et c'est passé, mon Discovery. Colonel, t'en vas pas. J'ai besoin de vous. Vous allez accompagner John Doe et Miss Mitchell et gérer la presse et la radio. Moi? Oui, je ne veux courir aucun risque. Johnson, oui, DB. Vous vous occuperez des problèmes de suivi. Après le passage de John Doe, vous veillerez à ce que les clubs se forment selon les règles détaillées dans les chartes. Bien. Il n'y a que 8 drapeaux pour le moment. Je veux couvrir l'ensemble du pays avant la fin de cette campagne. Se répand comme un feu de forêt. S'ils avaient des exigences, je le comprendrais. Mais ce John Doe n'a rien demandé. De plus en plus de gens trouvent un emploi et vont finir par me mettre au chômage. Dès qu'il sera assez fort, John Doe abattra ses cartes. Il nous réclamera de l'argent, la retraite à 60 ans et Dieu sait quoi encore. Navré, mais ils ne veulent pas entendre parler de politique. Ils sont cinglés. Il faut s'adresser à eux. Ils représentent des millions d'électeurs. Croyez-moi, mesdames et messieurs, le mouvement est un véritable raz-de-marée. Nous avons tellement de demandes de formation de club John Doe que nous sommes totalement débordés. Je n'aimerais pas qu'on me plante autant d'épingles dans le corps. Cette convention John Doe s'impose. Elle fera de notre ville un symbole. Plus de 2400 clubs John Doe vont y envoyer des délégués. Vous imaginez? Vous, monsieur le maire, vous serez notre hôte. Vous avez carte blanche pour décorer la ville, organiser une parade, une réception pour le retour de John. Mais pas de tralala. De tralala? Pas de tralala. Et vous, Connell, vous imprimerez une édition spéciale quotidienne sur John Doe. Et à présent, je vous prierai de passer dans l'autre bureau. Et soyez à votre avantage. Les photographes sont là pour immortaliser ce comité. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Tout ça est vraiment merveilleux. Arrêtez, regroupez-vous et je vais faire une très jolie photo. Et monsieur le maire, au premier rang, s'il vous plaît, et rapprochez-vous. Je n'y comprends rien. À quoi? Écoutez, DB, on ne me la fait pas aussi facilement. Je sais que ce mouvement vous coûte une fortune et que cette convention est hors de prix. Et? Et je n'arrive pas à additionner 2 et 2. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous y gagnez quoi? J'y gagne la satisfaction de savoir que ma fortune est mise à profit pour une juste cause. Je vois, je devrais m'occuper de mes affaires. Oui, vous devriez peut-être. Connell,
Je souhaiterais avoir le contrat de John Doe, tous ces reçus pour mes avances et la lettre de Miss Mitchell pour laquelle j'ai payé $1000. Oui, bien sûr. Bien, nous partons pour l'aéroport dans une demi-heure. Il faudrait que j'aille un peu bousculer Johnny Boy. Pas la peine, Charlie, il arrive. Oh, bien. Vous avez vu sa photo à la une du Times? Oui. Je vous tire mon chapeau, Anne. Je me suis occupé de pas mal de promotions dans ma carrière, de l'Expo International à la traversée de la Manche. Mais cette fois-ci, je dois dire que c'est du jamais vu. Et maintenant, une convention John Doe. Wow. Et si vous réussissez à le faire plonger du toit de l'hôtel de ville la veille de Noël, je vous garantis un demi-million de badauds. Charlie. Hein? Que pensez-vous de lui? Qui, Johnny Boy? Mm-hmm. Je ne sais pas sous quel angle, mais je vais vous faire le résumé. Premièrement, il sent le pâté de campagne, mais les gens l'adorent. Deuxièmement, il commence à penser qu'il l'a vraiment écrite, cette lettre de suicide imaginaire. Troisièmement, il a l'air de vous prendre pour Jeanne d'Arc ou je ne sais pas qui. Oui, je sais. Quatrièmement, je crois que vous savez ce que c'est. Il est raide dingue de vous. Oui, ça saute aux yeux. C'est au cinquièmement que ça se gâte. On est tous des traîtres, moi en particulier. Ah, oh, c'est moche. C'est ouvert. Je suis prêt. Bon, je vais aller chercher Beanie Boy. D'accord, Charlie Boy. Est-ce que je peux vous aider? Non, merci. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui. C'est drôle. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai rêvé de vous. De moi? Un truc bizarre. J'ai rêvé que j'étais votre père. Enfin, il y avait une chose que j'essayais de vous empêcher de faire. Alors, dans mon rêve, je me suis levé et je suis passé à travers ce mur et je suis entré dans votre chambre. Vous savez comment sont les rêves? Oui, et vous étiez là au lit. Mais vous étiez une petite fille d'à peu près 10 ans. Mais vous étiez mignonne. Alors, je vous ai secoué, vous avez ouvert les yeux et sauté du lit. Vous vous êtes mise à courir en chemise de nuit. Vous êtes passé par la fenêtre et vous avez galopé, sauté de toit en toit sur des kilomètres. Et je vous poursuivais. Tout en continuant à courir, je vous voyais devenir de plus en plus grande. Jusqu'à être aussi grande que maintenant, vous savez, adulte. Et pendant ce temps-là, je me demandais pourquoi je le poursuis. Mais je ne savais pas. C'est pas croyable. Hein? Bon, et après, vous êtes entré quelque part, et je suis entré après vous. Et quand je me suis retrouvé là, vous étiez en train de vous marier. Et la chemise de nuit était devenue une belle robe de mariée. Vous étiez très jolie aussi. C'est là que j'ai compris ce que je voulais vous empêcher de faire. Les rêves sont étranges, non? Bon. Vous voudriez savoir qui vous épousiez? Oh, une sorte d'horrible monstre, je suppose. Faut pas exagérer. C'était ce type qui vous envoie des fleurs tous les jours. Comment il s'appelle? Le neveu de Monsieur Norton? Ted Sheldon? Oui, c'est ça. Mais je vous ai pas dit le plus drôle. C'est moi qui devais célébrer votre union. Vous savez, le juge de paix, comme on dit. C'est vrai? Je croyais que vous me poursuiviez. Oui, c'est vrai, mais là, j'étais votre père, vous vous souvenez? Et là, c'était moi, John Doe. Je veux dire, Long John Willoughby. C'est moi qui tenais le registre de mariage. Vous me suivez? J'essaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous ai donné une bonne fessée, allongée sur mes genoux. Enfin, pas vraiment. Je veux dire, je l'ai fait. Mais c'était pas moi, j'étais à nouveau votre père. Vous étiez là sur mes genoux et j'ai dit, Annie, je refuse que tu l'épouses sous prétexte que ce type est riche. Ou bien parce que sa secrétaire t'envoie des fleurs, l'homme que tu épouseras devra aussi traverser des fleuves pour toi. Et il devra
gravir des montagnes pour toi. Il devra tuer des dragons pour toi. Il devra accomplir de véritables miracles pour toi. D'accord? Et l'autre type, le juge de paix, vous vous rappelez? Moi, je le voyais secouer la tête. Il disait, allez papa, et frappe-la de ma part, parce que je pense exactement la même chose. L'autre a dit, t'as qu'à venir la frapper toi-même. Alors je me suis ramené, je vous en ai collé une bonne, hein, et il en remet une, et je vous en remets une, et on se met à vous filer. Quand elle en aura pris assez, on pourra peut-être y aller. Allez les mecs par ici. Prenez l'issue de secours, il y a trop de chasseurs d'autographes devant. On descend avec les bagages dans une minute. Et dépêchez-vous, allez, n'en faites pas une affaire d'État. Salut, Billy. Notre avion, il décolle à quelle heure déjà? Dans quelques minutes. Dites-moi, d'après vous, à combien de personnes on a parlé? À part la radio, je dis. Oh, je ne sais pas. Environ 300 000. Environ 300 000? Pourquoi ça marche autant? Pourquoi ils viennent m'écouter? Pourquoi ils aiment John Doe au point de former ces clubs? Je me demande bien pourquoi. Écoutez, John, mes discours sont remplis de platitudes, de choses qu'ils connaissent par cœur, comme l'amour de son prochain, les lendemains qui chantent, tendre l'autre jour. Oh oui, ça, vous ne m'apprenez rien de nouveau, mais... Mais ils sont là. Peut-être qu'ils sont comme moi. Quand je leur dis tout ça, ils commencent à comprendre. Tous ces gens, j'y pensais pas vraiment avant. Je voulais seulement qu'ils viennent pour remplir les gradins. Franchement, je pensais jamais au public. Sauf quand les gens venaient pour voir mes matchs. Mais ces derniers temps, j'observe les gens quand je m'adresse à eux. Je vois des expressions sur leur visage. On dirait presque qu'ils ont faim de quelque chose. Vous comprenez? Ils viennent peut-être pour ça, ils sont peut-être trop solitaires. Ils veulent seulement qu'on leur dise bonjour. Et je sais ce que c'est. J'ai faim de quelque chose et je me sens seul depuis que je suis sur cette terre. Embarquement! Il faut régler ce problème d'urgence. Oui, oui, absolument. Oh, il y a déjà quelqu'un ici? Non, 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 c'est votre place. Et c'est votre manteau. Mon manteau? Un petit cadeau de remerciement. Oh! Oh, il est magnifique, DB. Oh, je ne sais vraiment pas quoi dire. Eh bien, dans ce cas, ne dites rien. Asseyez-vous. Oh. Allez-y, ouvrez, ouvrez. Oh. Oh, c'est ravissant. Et il y a un nouveau contrat avec. Bien. C'est bon, DB, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Faites-moi la surprise. Voilà bien ce que j'aime chez elle, droit au but, j'adore. Vous avez les pieds sur terre. Alors voilà, demain soir, devant une foule de près de 15 000 personnes avec retransmission par radio dans tout le pays, John Doe va annoncer la formation d'un troisième parti. Un troisième parti? Oui, le parti John Doe. Entièrement consacré aux intérêts de tous les John Doe des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire pratiquement 90% des électeurs. Il annoncera également le candidat de ce troisième parti aux élections présidentielles. Il s'agit d'un homme qu'il apprécie et recommande. Un grand humaniste, le meilleur ami de tous les John Doe. Monsieur DB Norton. Oui. Wow. Des milliers de délégués ont déjà pris place dans les gradins, avec des paniers repas, des pancartes et des pétitions demandant à John Doe de renoncer à sauter d'un toit. Ils attendent John Doe de pied ferme. C'est un mouvement phénoménal. Tous ces John Doe ou les laissés pour compte, comme on les a parfois appelés, ont été critiqués et ridiculisés. Mais ils sont tous là, joyeux et animés, après avoir fait des milliers de kilomètres, et parfois même aux frais de leurs voisins. Et ils sont tous venus rendre hommage à leur héros, John Doe. En ces temps de guerre et de bombardement, il est encourageant
chance, une idée aussi simple, redonner espoir à cette nation. Une idée basée sur la bienveillance, l'amitié et le désintéressement, la charité entre voisins, sans rien demander en retour. Et si une chose pareille peut arriver, ne laissez plus jamais vos amis grincheux vous dire que la bonne volonté n'est plus ce qu'elle était. Ici John B. Hughes, je rends à présent l'antenne à notre studio. Je vous retrouve à 21h pour l'ouverture officielle de la convention. Oh, John, entrez. Non, je suis un peu... Enfin, il pleut dehors, je suis un peu... Aucune importance, je suis ravie de vous voir. Asseyez-vous. Merci. C'est pour Anne. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Des fleurs. Oh, mais elle n'est pas là, je regrette. Pas là? Non, elle vient de partir. Vous auriez pu vous croiser. Elle est allée voir Monsieur Norton. Ah. Vous deviez lui dire quelque chose d'important? Oui, enfin, non, ça attendra. C'est un homme bien, hein? Monsieur Norton, je veux dire. Il a déjà fait beaucoup pour elle. Bon, mon imperméable est trempé. Je crois que j'ai mouillé votre sofa. Bon, ben, je la verrai à la convention tout à l'heure. Oui, bien sûr, et je lui donnerai vos fleurs. Merci. Au revoir, Madame Mitchell. Au revoir, John. Madame Mitchell, en fait... Je suis content qu'Anne ne soit pas là. Parce que... Enfin, j'espérais vous voir seule à seule et en même temps, j'en avais peur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'en fait, il faut que je vous parle. Mais ça peut attendre. Bonsoir. Bonsoir, John. Dites, Madame Mitchell, vous êtes déjà mariée? Bien sûr que je suis bête. Je ne sais plus ce que je dis. Non, vous devez me prendre pour un imbécile. Je crois que je ferais mieux d'y aller. John? Mon mari m'a dit, mon amour, veux-tu m'épouser? Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue sa femme. Oh, c'est ce que je me demandais. C'est aussi facile que ça. Oui, mais écoutez, Madame Mitchell, vous savez que j'aime Anne. Seulement, j'aurais beaucoup de mal à le dire, parce que, enfin, elle est tellement merveilleuse. Et moi, je ne suis qu'un joueur de baseball de deuxième division. Et entre nous, je crois qu'elle en aime un autre que moi, celui qu'elle a inventé. Vous savez, le vrai John Doe. Mais c'est un adversaire dur à battre. Je parie que lui, il saurait comment dire ça. Mais moi... Je m'approche et je feinte et je fais demi-tour, mais je ne vais jamais droit au but. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la seule chance qui me reste, c'est... Enfin, qu'une personne, quelqu'un, puisse l'avertir. Je veux dire, qu'on la prépare à un tel choc. Vous voulez que je m'en charge, c'est ça? Oui, en gros. Oui, pour essayer de briser la glace. Avec plaisir, John. Merci. Merci, Madame Mitchell. Je vous adore déjà. Et ce sera sûrement la plus belle convention de toute l'histoire du pays. Les gens arrivent de partout. Ils ont pris le train, le bus de nuit, la voiture, ils ont... Attention! Tiens, mes gardes du corps. Vous avez dîné? Ah, donc. Oh, mais ça fait rien. Mais non, non, allez-y, allez dîner. Attendez une minute, John. Bonsoir, Monsieur Connell. Comment ça va, John? John, j'aimerais vous dire une chose ou deux. Mais dites-donc pourquoi vous titubez comme ça? Venez. Eh, patron? Ah, ça va, ça va, ça va. Dites-donc, j'aimerais savoir, vous avez lu le discours que vous devez faire ce soir? Non, je ne lis jamais avant de prendre la parole. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. J'en aurais mis la main au feu. Il dit, cours au journal, il dit à Pop de te donner le discours. Il y a une copie sur mon bureau. Ah, mais patron, vous savez que Monsieur Norton ne veut pas que je le perde de vue, même pas une minute. Et cours, 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 retrouve-nous, James Barr, à 100 mètres. Vous êtes un bon gars, John. Je vous aime bien.
Vous êtes gentil. J'ai toujours aimé les gars comme vous. Ouais, je suis un vieil homme sans... J'ai peut-être pas de cœur, mais vous voulez que je vous dise? J'ai une faiblesse. Ça saute pas aux yeux, mais j'en ai une. Et vous savez ce que c'est? Notre hymne national. Étrange, hein? Ouais. Ouais, peut-être, mais... Faites-le jouer avant un match, et je marche à chaque fois. Ce truc-là, il me remue les tripes. Vous me comprenez? Oui, moi ça me fait frissonner. Ah, frissonner, vous? Ouais. Comment on dit, chacun ses goûts. Vous n'aviez pas l'âge de partir au front pendant la guerre. Ah non, bien sûr que non. Vous étiez trop petit pour y aller. Pas moi. J'avais l'âge requis pour me battre. Et j'en mourrais d'envie. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon père, quand je me suis engagé? Il s'est engagé aussi. Il est devenu sergent. Et attendez, il y a mieux. On était dans la même unité. Marrant, hein? Seulement, il a été tué. Et je l'ai vu mourir. Je me trouvais là aussi. Et j'ai tout vu de mes propres yeux. Et moi, j'en suis revenu sans une égratignure. Enfin, excepté mes ulcères. Je devrais boire du lait frais, ce truc, c'est comme du poison. Hé, hey, Tommy! Oui, monsieur Connell. Regarde-moi ça. Très bien. Oui, mon pote, je suis fou de ce pays. Non seulement je suis fou de mon hymne national, mais je suis aussi fou de ce pays. Et j'aime tout ce qu'on a ici. J'adore ça. Ici, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent sans peur d'avoir une baïonnette enfoncée dans le ventre. Et c'est tout ce qu'on demande, hein? Un peu, oui. Un peu. Et bien sûr, on veut que personne ne puisse venir changer ça, pas vrai? Pour sûr. Pour sûr. Si jamais ça arrive un jour, j'en serai malade. J'en serai plus que malade. Et je suis déjà en train de bouillir, Johnny. Je m'emporte pour un certain nombre de gens, pas seulement pour moi. Je m'emporte souvent au nom d'un dénommé Washington. Au nom d'un dénommé Jefferson. Et Lincoln. Il nous éclaire, John. Il nous éclaire dans un monde de brume. Vous me comprenez? Absolument. Ces choses dont on parle, ces affaires d'agents ennemis ne sont pas très reluisantes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis sûr que vous seriez furieux si vous vous retrouviez à marcher dans des combines pareilles. Surtout vous. Vous n'y verriez que du feu parce que vous êtes gentil. Mais c'est bien ce que vous faites. Vous êtes mouillé avec une canaille, mon petit. Un bon à rien, la pire des canailles. Vous ne parlez pas de M. Norton, là? Je parle sûrement pas du caniche de son grand-père, mon pote. Vous devez faire erreur, monsieur Connell. Il a fait énormément pour organiser les clubs. Ah oui? Dites donc, vous y êtes à fond dans cette histoire de John Doe, hein? Bien sûr. Bien sûr, je vous en veux pas, moi aussi. Oh, c'est vraiment un miracle. Un miracle qui ne pouvait arriver qu'ici, dans ces bons vieux États-Unis. Et je trouve ça magnifique. Vous vous rendez compte? Moi, cette grande brute de Connell, je trouve ça absolument magnifique. Très bien. Mais supposons qu'un vrai salaud absolument innommable dont les initiales sont DB veuille utiliser tout ça afin de s'introduire à la Maison Blanche, pour nous imposer une poigne de fer, pour éteindre les lumières d'espérance de nos grands hommes. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Personne ne fera ça, monsieur Connell. Il est interdit de mêler les clubs à la politique. C'est le principe général. Vous croyez ça? Alors qu'est-ce qu'un grand politicard comme Hammond vient faire ici? Et un leader travailliste comme Bennett? Et tous les grands pontes réunis en ce moment chez DB Norton? Une meute de loups, John! Une meute de loups prête à tuer et à dévorer les John Doe! Vous verrez quand vous aurez lu le discours de ce soir.
Vous êtes beurré. Miss Mitchell écrit ses discours et personne ne peut lui faire dire ce genre de choses. Ce genre de choses? Et qui les écrit d'après vous, ma tante Emma? Mais bien sûr qu'elle les écrit, évidemment. Et au passage, elle empoche de gros bonus, un manteau de vison et un bracelet en diamant. Vous vous foutez de moi? Votre âne n'est qu'une espèce d'arriviste qui vendrait sa propre mère pour une poignée de lire ou d'hyène. La ferme! Si vous n'aviez pas picolé, je vous... Hé, hey, patron! Voilà votre discours. Hé! Hey. Allez-y, lisez-le, John, et vous cognerez ensuite. Hé, hey, attendez-moi, monsieur Doe! Tony? Oui, monsieur? Apporte-moi un verre de lait frais. Ah, moi, je fume beaucoup trop. Oui, Charlie? Est-ce que tout est prêt? Bien, on s'occupe de John Doe? Bon. On aura combien de spectateurs? 15 000? Ah, mais c'est magnifique! Bon, écoute, Charlie, dès que John Doe aura fini de parler de moi, je veux que tu lances les applaudissements. Faites beaucoup de bruit, c'est clair? Ne t'en fais pas pour ça, ADB. Mes hommes seront là, ils s'en chargeront. Quoi? Oui, j'arriverai 15 minutes après ton appel. Mais c'est Monsieur Doe. Où sont-ils? Dans la salle à manger. Eh bien, messieurs, je crois que notre bombe est enfin prête pour la mise à feu. Et ce n'est vraiment pas trop tard. Oui, même les estimations les plus basses nous accordent entre 10 et 20 millions de votes parmi les supporters de John Doe. Ajoutez à ça les voix travaillistes que M. Bennett nous offre, et les voix assurées par M. Hammond et vous tous dans chacun de vos territoires, et rien ne nous arrêtera. Et je resterai votre partisan, pourvu que vous nous garantissiez le vote de John Doe. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi à une condition. Que mon fils y trouve aussi son compte. Je vous répète que tout le monde ici présent y trouvera son compte. Et je respecterai nos accords. Doucement. Je suis avec vous, DB, mais je continue à dire que nous prenons de gros risques, vous comme nous. Qui ne risque rien à rien, monsieur Barrington. Nous sommes à la veille d'un ordre nouveau. Nous n'avons que trop parlé, il est temps d'agir. Nous avons fait trop de concessions. Et notre peuple a besoin d'une main de fer. Tout à fait, il est vrai, DB. Mais tout à fait, DB. De discipline. Oui, c'est vrai. À présent, je voudrais porter un toast à Miss Mitchell. La brillante et merveilleuse jeune femme à qui nous devons tout. Monsieur Norton, pourrais-je vous parler, je vous prie? Oh, Miss Mitchell voudrait nous parler. Tiens donc. Ça me fait plaisir de vous voir. J'étais extrêmement inquiète. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, c'est exact, John, mais je ne savais pas ce qu'il préparait, je... Vous ne saviez rien? Non. Il est très beau, ce bracelet de diamant. Pourquoi n'êtes-vous pas à la convention? Quelque chose ne va pas? Non, ne vous en faites pas. Tout va très bien. Alors, on est à la veille d'un ordre nouveau, hein? Et vos amis et vous espérez vous partager les votes de John Doe, hein? Le président. Vous oubliez un détail, monsieur le président. Vous m'oubliez, moi, la marionnette du peuple. Eh bien, si vous ou n'importe qui se croit en droit d'utiliser nos clubs pour ces petites magouilles privées, il devra me passer sur le corps, c'est compris? Ah non, calmez-vous un peu, mon jeune ami, calmez-vous. N'en faites pas une montagne. J'ai financé les clubs John Doe personnellement. À moi de décider si oui ou non nous en faisons bon usage. Non, je ne vous laisserai plus décider de rien. Je vais faire mieux. Je vais m'y rendre à votre convention et je vais raconter au peuple en détail tout ce que vous et vos charmants amis ici présents avez concocté pour leur avenir. Et je vais leur dire avec mes mots à moi pour une fois. Une minute, ce n'est pas terminé, mon gars. Mon oncle a deux mots à vous dire. Oui, écoutez-moi, mon garçon. Avant que vous ne perdiez complètement la tête, pourrais-je vous rappeler que je vous ai ramassé dans le caniveau et que je peux vous y renvoyer sur le champ? Comment osez-vous nous accuser, moi et mes partisans? Ces gens et moi savons ce qu'il faut faire pour les John Doe de l'Amérique. Sachez que je me fiche de la vie d'un clochard. Descendez de votre piédestal de droiture et revenez sur terre. C'est vous l'imposteur. Nous croyons en ce que nous faisons. C'est vous le Judas qui a reçu ces 30 pièces d'argent. Vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi. Vous êtes un imposteur, John Doe, et je peux le prouver.
C'est vous le super-héros capable de sauter du toit de la mairie, c'est ça? Vous vous rappelez? Que croyez-vous que vos merveilleux John Doe vont dire en apprenant que jamais vous n'avez eu l'intention de sauter, mais qu'on vous payait pour le leur dire? Vous aurez de la chance s'ils ne vous expulsent pas du pays. Et grâce aux journaux et aux stations de radio que contrôlent ces messieurs, nous pouvons écraser le mouvement John Doe et c'est ce que nous ferons au moindre faux pas. Maintenant, si vous voulez toujours aller à cette convention, vous tirez une balle dans le pied, ne vous gênez pas pour moi. Alors vous n'hésiteriez pas à tuer le mouvement John Doe si vous ne pouviez pas l'utiliser à vos fins? Je n'hésiterai pas, vous pouvez me croire. Bah ça, je dois dire que c'est nouveau. Je crois que cette fois, j'aurai tout vu. Vous êtes tous prêts, avec vos gros cigares, à tuer délibérément une idée qui a rendu des millions de gens un peu plus heureux. Une idée qui en a fait venir ici des milliers en provenance de tout le pays, par le bus et par le train, certains à pied, d'autres en voiture. Tout ça pour pouvoir partager toutes leurs petites expériences personnelles. Écoutez, je ne suis qu'un bonnet, je le sais. Et je commence à comprendre des tas de choses. En fait, je sais comment vous fonctionnez. Si vous trouvez une idée décente, vous essayez de la salir, de la fausser, de la mocher, de la fourrer dans votre poche ou de la démolir. Vous êtes comme les chiens qui enterrent ce qu'ils ne peuvent pas manger. Mais c'est la seule bonne chose qui soit arrivée depuis longtemps. Les gens peuvent enfin découvrir qu'ils ont à leur côté d'excellents voisins. C'est aussi simple que ça. Et le jour où une chose pareille a une chance de se répandre et de toucher le dernier des hommes sur cette terre, vous parlez de l'écraser. Mais quand ce feu sera éteint, par quoi le remplacerez-vous? Plus de misère, plus de clochards, plus de haine. Comment empêcher que la même histoire recommence? Ça, personne ne le sait, justement. Et certainement pas vous avec vos stupides projets pour un ordre nouveau. Cette idée de John Doe propose une solution. C'est peut-être bien la seule chose capable de sauver cette saleté de monde. Et vous et votre bande de copains, vous voudriez la démolir faute de vous en servir? Eh bien, vous n'avez qu'à essayer. Vous n'y arriverez jamais, même avec toutes vos stations de radio et tout votre pouvoir. Et peu importe que je sois un imposteur, c'est plus grand que toute votre ambition et c'est plus grand que tous les bracelets et les manteaux du monde. Oh, bien sûr que oui, John. Oui, et c'est ce que je vais maintenant dire à tous ces gens. Une petite minute, espèce de sale ingrat. Mon oncle a été trop bon. Appelez la police. John! Je vous avais prévenu d'aider vous jouer avec de la dynamite. Où est-il passé? Là-bas, il vient de partir. Il faudra rattraper et chercher la fille. Il va tous nous ruiner en quelque sorte. Je l'arrêterai net. Je me prépare à ça depuis longtemps. John! Oh, je vous en prie, John, écoutez-moi. Je vous en prie, je peux tout vous expliquer. Je ne savais pas ce qu'il faut faire. Laissez-moi venir avec vous. En avant, chauffeur, et faites vite. Laissez-moi vous expliquer, John, je vous en supplie. Laissez-moi venir avec vous, s'il vous plaît. John! Monsieur Burton voudrait vous voir. Ça suffit, monsieur le maire. Faites ce que je vous dis. Je veux le faire arrêter. Dites à la police de me retrouver, Connell, la fille est ici. Accusez-le de ce que vous voulez. Libérez-le demain matin, mais gardez-le pour la nuit. Allô, le bulletin? Passez-moi l'ailleurs.
écoutez, chers amis. Attendez un moment, John. Il faut commencer par une courte prière. Silence, je vous prie. Bonsoir, très chers amis. Prions un moment tous ensemble en silence pour les John Doe du monde entier, dont un grand nombre sont sans abri et meurent de faim. Veuillez vous lever. Que tout le monde se lève. Des centaines de vendeurs de journaux envahissent le stade comme une nuée de sauterelles. Est-ce que John Doe est un imposteur? Quoi? Oui, John Doe. Ils disent que John Doe nous ment depuis toujours. John Doe est un imposteur! Quoi? Ils veulent même faire mener une enquête par la chambre de commerce? Alors j'y crois pas une minute! Oh, c'est probablement un canular. Un quoi? Un canular! Un canular! Et j'accuse cet homme de vous avoir menti. Il nous a pris pour un tas de gogos et moi le premier, j'ai marché. J'ai dépensé une fortune pour sa campagne parce qu'il m'avait semblé qu'il défendait une juste cause. Chacun de vous le croyait. Je sais désormais que ce n'était qu'une minable arnaque montée par cet homme et deux de mes employés, avec comme seul but de voler l'argent de tous les John Doe aux quatre coins du pays. Montez ! Non, je ne mens pas. Il faisait la quête pour s'en fourrer plein les poches. Vous trouverez tous les détails dans le bulletin. Vous mentez ! Arrêtez-le ! Ne croyez pas ! Nom de Skippy ! Cet homme n'a aucune intention de sauter du toit d'un bâtiment public. On l'avait payé pour le dire. Est-ce que vous le niez ? Ça n'a vraiment rien à voir. On vous a payé pour ça, oui ou non ? Oui, on m'a payé, mais ça l'a et vraiment fait la voix. Vous n'êtes pas non plus l'auteur de votre lettre de suicide. Je ne vois pas. Vous l'avez écrite, oui ou non? Non, je ne l'ai pas écrite, c'est oh, vrai. Oh non, bien sûr que non. Ouvrez le journal, mes amis, vous y trouverez les aveux signés de Miss Mitchell. C'est elle qui l'a écrite. Écoutez, je reconnais que je n'ai pas écrit cette lettre. Vous voyez, vous êtes un imposteur, John Doe. Et pour tout ce que vous avez fait à ces braves gens, ils devraient vous extrader de ce pays. Et je les approuverai. Merci, écoutez-moi. Maintenant qu'il a vidé son sac, j'ai une ou deux choses à vous dire. Allez, vous autres, séparez-vous et dispersez cette foule, en avant. Non, vrai, mais apparemment, nous n'entendons plus. Sûrement un problème avec les haut-parleurs. John Doe, imposteur ! Ils m'entendent pas ! Ça ne fonctionne pas. Attendez, les amis ! Chose me dépasse, même si je suis un imposteur. Et vous, Burke, vous me croyez au moins? Non? Bien sûr, un peu que je vous crois. Je me suis démoli les jambes à quémander plus de 5000 signatures pour un imposteur. Ben les voilà, monsieur John Doe, plus de 5000 crétins qui veulent que vous renonciez à sauter de votre toit. Oh, mais ça change rien, Burke. L'idée reste excellente, pas besoin de renoncer au club. Oui, ben, je vous en fais cadeau.
Il lance des projectiles. Il va y avoir des blessés. John Doe lui-même, je le crains. Écoutez cette foule. Il faut que j'y aille. Désolé, madame, vous restez là. Oh, laissez-moi. Il faut que je le rejoigne, je vous en prie. Il faut me libérer, il le crucifie, je sais qu'il a désolé, besoin de moi. Désolé, nous avons ordre de vous retrouver. D'où viennent vos ordres? Ils veulent se débarrasser de moi. Oh, marchez. Oh, maman, ils ne veulent pas me laisser partir. Ils ne veulent pas me laisser. Écoutez-moi. Silence et écoutez-moi, je vous en prie. Va-t'en et retourne dans ta joie, Clodo. Vous voulez acheter tes escroqueries? Continuez, les clubs. À force de nous prendre pour des truffes, on s'est habitués. Oui. C'est une idée qui reste excellente. Faites-moi confiance. Ah oui, oui, donnez-moi. Je sais que John Doe reste le seul espoir de l'Amérique. Réussi à le faire sortir du stade, mais s'il n'est pas blessé, c'est vraiment un miracle. Chers auditeurs, je crois que cela sonne la fin du mouvement John Doe. Oui, messieurs, c'est un nouveau combat remporté par les Ponce Pilate. Menteur. Arnaqueur. Escroc. Tricheur. Imposteur. Don du toit de l'Amérique. La fête de Noël à minuit. Au revoir, monsieur Doe. Vous êtes vraiment un type bien. Dieu vous bénisse, mon petit. Allez gagner ce match. Vous êtes un imposteur, John Doe, et je peux le prouver. C'est vous le super-héros capable de sauter du toit de l'Amérique, c'est ça? Vous vous rappelez? Que croyez-vous que vos merveilleux John Doe vont dire en apprenant que vous n'avez jamais eu l'intention de sauter, mais qu'on vous payait pour le leur dire? La veille de Noël, à minuit. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. John Doe? Quoi, cet escroc fait encore parler de lui? Oh, cette femme n'a pas arrêté de nous appeler. Bien sûr, oui, je suis au courant, oui, à minuit, hein? Bon, c'est d'accord, je vais faire mettre des filets en pagaille. Il se moque de moi. Vous êtes souffrante, Anne, il faut vous reposer. Quoi, tu téléphones encore? Mais tu viens d'appeler ce numéro il y a à peine 10 minutes. Allô, monsieur Connell? C'est moi, est-ce que vous l'avez vu? Écoutez, Anne, il est impossible qu'il vienne ici sans qu'on le voie. Je surveille l'issue de secours et le colonel est devant. Arrêtez de vous en faire. Merci. Anne! Anne, soyez raisonnable. Quelle idée, c'est de la folie. Vous êtes malade de me faire sortir la voiture. Je suis sûr qu'il se passera rien. Oh, tais-toi, Bert. Trousse-Peter a raison. Oui, ben si, il a raison. Je suis un banana split. Je te parie qu'il va monter sur ce toit. Ne m'en demande pas plus, je le sais, c'est tout. Et tu le sais aussi bien c'est que moi. C'est sûr, et je crois dur comme fer au Père Noël, mais je ne croirai jamais que les imposteurs sautent des toits. Pour moi, ce n'est pas un imposteur, pas avec ce visage. Et il défendait vraiment les pauvres et les opprimés. Si tu le dis, chérie, si tu le dis. Mm-hmm.
Ils ont bloqué les ascenseurs. Colonel. L'ouvrier est trop lit, mademoiselle. Il est passé? Non. Vous avez de ses nouvelles? Je l'ai pas vu de la semaine. Où est Colonel? Il surveille l'autre porte. Oh. Oh, vous êtes un ange. Non, c'est pas la peine de monter. Je suis ici depuis des heures. Il n'est pas là. Oh, laissez-moi monter. Il y a 14 étages. Vous êtes complètement folle. Mais folle. L'ascenseur ne monte pas plus haut. On va prendre l'escalier pour la terrasse. Ce Clodo a probablement trop picolé, il doit cuver son vin. Rentrons, je n'ai pas encore décoré mon sapin. Bon, j'abandonne. Je ne sais pas d'où vous est venue l'idée que ce ringard tenterait une chose pareille. On perd notre temps, je crois qu'il s'est payé notre tête. Rentrons. Pourvu que personne ne sache qu'on est venu ici. J'ai l'impression qu'il arrive. Tous les John Doe du monde. Il ne va quand même pas sauter. Je ne ferai pas ça à votre place. Ça ne servirait à rien. Le maire a appelé des policiers. Ils ont ordre de retirer toute trace d'identification sur votre cadavre. Et vous finiriez dans la fosse commune comme si vous n'aviez pas existé. J'ai fait ce qu'il faut pour ça. Je viens d'expédier une copie de la lettre à M. Connell.
John, vous devez renoncer à cette folie. Ne faites pas un pas de plus, monsieur Norton, ou vous passeriez par-dessus bord avec moi. Je suis presque heureux que vous soyez là. Vous avez écrasé le mouvement de John Doe, mais il renaîtra bientôt de ses cendres. Ouvrez grand les yeux, monsieur Norton. John! John! Oh, John, ne faites pas ça! Je ne vous laisserai pas, je vous aime, John. Je vous en prie, n'abandonnez pas. On pourra tout recommencer, rien que vous et moi. Il n'est pas trop tard, John. Votre mouvement n'est pas encore mort. Regardez, s'il était mort, il ne serait pas ici. Il vit encore en eux, et c'est leur peur qui l'a maintenu en vie. C'est pour ça qu'ils sont venus. Oh, mon chéri, il fallait l'arrêter parce qu'il était malhonnête. Mais on peut le rendre décent, à nous deux, chérie. Il grandira, John. Il deviendra immense parce que cette fois, il sera honnête. Au lieu de vouloir mourir pour vos idées, vous devriez vivre pour elles. Je vous en prie, John. Oh, je vous en supplie. Oh, mon Dieu, aidez-moi. John. Oh, regardez-moi, vous ne voulez plus tricher, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous suicider pour que votre idée survive. Parce qu'un homme est déjà mort pour ça, le premier John Doe. Et grâce à lui, cette idée vit depuis 2 millénaires. Grâce à lui, elle vit toujours en eux. Et il la maintiendra en vie jusqu'à la fin des temps. Chaque fois que ces hommes écraseront un de ces mouvements, il en viendra un au monde. C'est pour ça qu'on fait sonner ces cloches. Elles nous supplient de ne pas abandonner, mais de nous battre et de gagner ce match. Oh, vous comprenez, mon chéri, ce n'est pas le moment d'abandonner. Vous êtes vivant, John. Nous... Oh, non. Non, John, si vous mourrez, je veux mourir aussi. Oh, je vous aime, je vous en prie, ne sautez pas. Monsieur Doe, ne faites pas ça. On est avec vous, monsieur Doe. On a perdu la tête l'autre soir et on regrette vraiment d'avoir... Ce que perdre veut dire, c'est qu'on a... On a besoin de vous, monsieur Doe. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cru cet homme. On avait l'intention de remettre en route les clubs, d'ailleurs, mais avec ou sans votre aide. Pas vrai, Bert? Et des tas de gens veulent faire pareil dans tout le pays. Monsieur Smithers a même reçu des nouvelles d'un cousin de Toledo. C'est vrai, monsieur Doe. Sauf que ce serait plus facile avec vous. Je vous en prie. Je vous en prie, venez avec nous, monsieur Doe. John. Monsieur Doe, on va s'occuper d'elle. Ça va aller, ne vous en faites pas. Amenez-la à ma voiture, monsieur Doe. Elle est garée juste devant. On a une voiture en bas. Regardez ça, Norton, le peuple. Essayez de l'acheter.